disais d'être vous. Nous sommes là ce matin pour vous présenter le front uni pour une sortie de crise efficace et durable. Tout d'abord, je vous présente la nature et mobile de sa création. Le front uni pour une sortie de crise efficace et durable est un outil stratégique mis en place par des partis politiques et des organisations socio-économiques pour faire face à la nouvelle dynamique créée par, premièrement, la volonté manifeste du Premier ministre Ariel Henry de continuer à cumuler sans contrôle les fonctions du chef d'État, du président de la République, du Premier ministre, après plus de 2 ans d'exercice de pouvoir d'exception illégitime, incompétent et populaire. 2. Son refus de négocier de bonne foi une sortie de crise consensuelle. 3. Par la nécessité de fournir à la population haïtienne des garanties sur les mécanismes pour combler la vacance consécutive à la fin du mandat du Premier ministre le 7 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 20 de l'accord du 21 décembre 2022, publié dans le journal officiel de la République, Le Moniteur. 4. La nécessité d'engager résolument notre pays Haïti sur la voie durable du développement. 2e aspect. Constitution et objectif du Front. Le Front uni est constitué par les signataires d'une déclaration Port-au-Prince, aidé, gré, conscience patriotique, la paix, Mobot, MRL, OPL, PHTK, PLH, PNDBH, signataires non alignés au PM Ariel Henry, unis et toutes les autres entités qui adhéreront à la dite déclaration. Les objectifs du fonds sont, premièrement, initier immédiatement des discussions avec les forces politiques, économiques et sociales représentatives pour la mise en place d'un exécutif de transition conformément à l'esprit de la Constitution en vigueur. Deux, fournir à la population et aux partenaires internationaux des garanties suffisantes sur les mécanismes idoines et consensuels propres à combler la vacance à la tête du pouvoir exécutif à la démission du Premier ministre Ariel Henry. Dans cet objectif, recommander des mesures propres à apaiser la souffrance de la population, à aider les victimes des crimes perpétrés par les gangs armés et à relancer l'économie nationale. 4. Mener des négociations avec l'ONU sur les modalités de mise en œuvre de la résolution 2699 pour garantir sur tout le territoire des conditions de sécurité propices à la remise des activités socio-économiques et à l'organisation des élections inclusives et crédibles. Le fonds est ouvert aux partis et organisations qui adhèrent à son contenu. Les actions prioritaires du fonds. Premièrement, maintenir ouvertement les portes de négociation pour une sortie pacifique et durable de la crise actuelle. Deuxième axe prioritaire, action prioritaire, mêler des actions politiques pour combler la vacance consécutive du départ du Premier ministre Ariel Henry, qui sera effective le 7 février 2024. 3. Contribuer à sortir la population victime de l'insouciance du gouvernement en place, de cette situation exécrable de déplacés internes parqués dans des abris insalubres. Quatrièmement,
jeter les bases de l'organisation de la conférence nationale haïtienne du monde. Les perspectives du fonds. Premièrement, faire la promotion des principes et des valeurs de l'état de droit. Et titan, au niveau des principes, mise en place d'un exécutif de transition conforme à l'esprit de la Constitution de 1987. B, maintien des acquis et du projet démocratique porté par la Constitution de 1987. Et C, renouvellement du gouvernement personnel politique à travers des élections inclusives et critiques. Deuxième élément, comme nous avons comme perspective, politique publique fondée sur les trois piliers du développement durable. A. Fournir les services sociaux de base à la population. B. Développement économique, en demandant l'économie de compétence. C. Enfin, protection de l'environnement et gestion durable des ressources naturelles. Le troisième élément de perspective, c'est l'installation d'élus légitimes issus d'élections implicites et critiques. Tels sont les objectifs, tels sont les activités, les objectifs et les perspectives du fonds. En Bourgogne, 25 octobre 2023, pour authentification du comité exécutif du fonds avec le canova Jean-Baptiste, Jean-Rodolphe Choisir, et Jean-Rodolphe Choisir, docteur Claude Joseph. Stratégie, M. Ariel Henry, c'est faire un pile dilatoire, c'est faire la population haïtienne perdre du temps. Pendant que les mêmes la bénéficient de ça nous vient là comme chaos, de ça nous vient là comme crise. Monsieur Ariel Henry n'est pas capable de bénéficier de l'insouciance, de l'indifférence et de l'incompétence. Accord 21 décembre 2022 a été fait pour te prolonger. Accord 11 septembre 2021, que Ariel Henry a signé avec quelques autres acteurs. Parce que dans l'accord 11 septembre 2021, il prévoit pour organiser l'élection en 2022 et en 2023 pour gagner d'autres pays de élus légitimes à travers les yeux. Les Ariel Henry remarquent que il n'a pas respecté l'accord et du fait qu'il n'a pas respecté, le 22, 21 décembre 2022, il y a aussi un autre accord. Et dans l'autre accord, ça, il a gagné pour organiser l'élection en 2023 et pour transition finie en 2024, 7 février 2024. Encore une autre fois, accord ça, disposition, engagement, il n'a pas respecté. Dans le comité campé, on organe pour contrôler l'action gouvernementale. Dans le comité campé, on conseil électoral provisoire. Dans le comité campé, on comité d'experts pour révision de la constitution. Il y a un principe ça, il n'est pas respecté. Et c'est volontairement, il n'est pas respecté au moyen pour Ariel Henry capable de sous pouvoir pour tout le temps. Face à l'indifférence, face à l'incompétence et insouciance à Ariel Henry et ensemble acteurs responsables qui croient que l'échéance 7 février 2024 a privé, il faut gagner de mécanismes pour combler vide. Donc, encore une fois, Ariel Henry n'a pas bénéficié de conséquences, incapacité, manque de volonté pour l'arrêter là parce qu'effectivement, il va organiser l'élection. Parce qu'effectivement, on va avoir un conseil électoral provisoire.
Parce qu'effectivement, pas gagné un organe de contrôle de l'action gouvernementale. Parce que pas un conseil, pas gagné un comité d'experts ou révision de position, tout ça nous connaissons, nous pas fait. Pas un plan global de sécurité, pas gagné concertation nationale, donc pas gagné un deux accords que Ariel Henry signé qui respecté. Eh bien, nous-mêmes, nous prenons acte, puisque nous avons publié le journal officiel Le Moniteur, qui parle de valeur juridique et évidemment lycéen entre les acteurs qui viennent voir valeur morale, donc nous croyons que les deux respecter, les valeurs bénéficier de l'incompétence et de l'incapacité pour les appliquer, ça lui-même, les mettre d'accord avec les contacteurs. Déclaration, présentation, fonds unis pour sortir efficace, durable du président. Ok. Démarche là inscrite dans la démarche. De sortir pacifique, c'est le choix. Et le choix, ça a passé par négociation qui engagée déjà et qui a continué. Cependant, pas gagné en quelle possibilité pour que ça fait seulement avec détermination acteur politique. C'est ça qui fait. Nous inscrit des marches dans le processus qui commençait depuis avant de concertation. D'élargissement de base de capacité de mobilisation. Mobilisation va être nécessairement action de rue. Quand je vais vous dire, la situation d'insécurité et la situation de mise et généralisée des populations en Iran, ok, les outils, ça, mobilisation de rue, de très faible. Et en plus de ça, il faut dire que depuis quelques temps, les autorités au plus haut niveau de l'État, de l'État, de l'exécutif, montrer une forte différence okay, par rapport à l'action populaire. Je vais mettre 200 000 mounes là, même si on a pris un tabouret pour faire garder les mounes qui perdent du là, ça dépend de nous. Donc, bon, éthique qui perd qui fait que les outils, ça n'est pas efficace. Par contre, les outils de concertation entre forces vives et forces représentatives. Et quand on prend l'expérience faite par collectif 30 janvier, acteurs politiques, qui, dans quatre dernières élections, est parmi les premiers résultats, premiers scores de sortie, qui, dans n'importe quelle démarche en politique pour ressortir par les urnes, etc., gagne une voix. Plus maintenant, les autres acteurs nouveaux et politiques et sociaux, qui, ensemble, dans quatre conservations, ont fait que nous avons une mobilisation de qualité qui n'est pas tout simplement basée sur l'effectif ou le nombre, mais qui fait influencer directement sous position même des supporters du statu quo des supporters du terrain. Ceux qui étaient pour ça là, qui a appuyé et qui par exemple. À la Jamaïque, du 11 au 14 juin, qui se passait là, bien c'était accord 21 décembre, rentrer dans le gouvernement, ou bien remplacer HCT. Et à partir de Jamaïque, il y a deux propositions sur cette norme reconnues même par la communauté internationale. Il y a la proposition du statu quo, Premier ministre Ariel Henry avait continué le premier là, sous base de l'article 649, qui finit de ne pas gagner effectivité avant. Et l'autre proposition d'alternative pour que, suivant l'esprit constitutionnel, bon, exécutif équilibré et balancé avec nouveau concerné sécurité, concerné sécurité au niveau international, troubles et agressions qui par rapport à la question de sécurité, ok, déterminer des critères de sanctions et des comités permanents qu'il a pour ça. C'est pas qu'on est là, ça va depuis longtemps. Et la carte ça, comité ça à partir de nos résolutions de la Sommie, ok, mobilisé pour Haïti. Le comité ça a différentes enquêtes et les prend des décisions unilatérales. Personne ne va prendre une pièce qui a pas ni demain ou pas. Okay? Demain ou pas. Cependant, ça pas un critère d'engagement, de détermination pour acteurs politiques. Ni une poêle pas donner un critère d'engagement, de détermination pour aucun. Nous, dans le pays, qui c'est dans le social, qui c'est dans l'économie, qui a fait.
C'est vrai, la forme des Nations Unies, c'est-à-dire le pouvoir que le comité a mis unilatéralement, il prend des décisions, et puis le ça, avec l'application de la CAI, tout pays membre, pour que tout pays membre, libéré aux préoccupations. Toutefois, on peut dire que c'est pas ça, c'était un engagement de détermination de la politique d'ailleurs. En janvier, lorsque des acteurs politiques étaient mis ensemble, ok, comme tu as fait là déjà, pour pouvoir activer tout simplement. Et question sanctions, j'étais là déjà, j'étais capable. L'expérience montre une capacité pour nous conforter. Ça a été fait déjà depuis 28 janvier, depuis 30 janvier. Et il a aussi, je vais jeter une phase. Pour que plus large, pas seulement avec les acteurs politiques, c'est eux-mêmes des responsabilités pour que nous prenions les actions idoines qui permettent d'empêcher de tomber dans plus de douleur, plus de crise, mais aussi avec l'autre et nous. Le pays, ok, faire avoir pour ne pas tourner la situation ça, et notamment la situation de dépendance ça. Pas seulement la Nations Unies, mais dépendance avec également l'autre partenaire. Okay? Donc, engagement, détermination, nous ne pas lié avec ça. Le grand institution naturellement plus humain, quelques éléments d'ajout qui s'en trouvent bien à l'aise. Qui s'a fait cette février pour que le ministre Ariel Henry parle. Premier bagage à vous, avant action qui vous intéresse, vous me référez à ce qu'a fait le ministre Ariel Henry là. C'est un accord. C'est fondamental. C'est vrai comme journaliste, nous mettons ici à sacrer la vidéo, mais il faut d'abord comprendre une méthodologie. Un accord qui s'y est le 21 décembre, qui permet que là, matin, midi, soir, si vous êtes référé à un accord, ça, quel que soit ça la fait, quel que soit ça la dit. Au bien, vous nous avez bien signalé que le ministre a une habitude de ne pas respecter la loi et de ne pas respecter également l'accord qu'il signe. Et c'est ça qui fait avec l'accord en septembre et nous perdons plus d'un an. Lui joue une deuxième opportunité à partir du 21 décembre 2022. Lui est en train de rater cette seconde opportunité qui fait à l'ESA avoir dit former une élection 11-59 2023 ou plus tard. Et c'est même après ça qu'on dit 7 février 2024 pour l'autre président élu, pour l'autre point bas, c'est-à-dire d'inviter la presse journaliste à référer d'abord aux documents qui servent de référence de base à la présence de ce monsieur. Au contraire, la presse est mobilisée justement pour demander M. Ariel Henry, puisqu'on ne pas respecter sa tésio. Qui mécanisme soit mettre en place, qui déprimature là, parce que la référence, c'est le texte de l'accord. Maintenant, encore une fois, nous comprenons que la presse a veillé, c'est travaillé, la suivre, soit tellement son processus que lié, qui vient à la fois la capacité du Premier ministre Ariel Henry, même si nous connaissons le baguette, il fait quoi, de respecter sa signe, déjà montré. Et c'est peut-être ça nous-mêmes, sous table ça, qu'on n'est pas habitué à être réunis ensemble. On est capable de nous porter nos frères seulement là. On est capable de collectif frangiens, nos frères collectifs frangiens seulement là. On est aidé là. Les signataires qui sont là, même Manu et Junior, les signataires de l'accord du 21 décembre, non alliés, nous là. Et nous ici à quoi? Et nous ici même là. Mais nous là, nous rejoignons l'équipe ça. Parce que justement, nous disons qu'il faut avoir une meilleure image aux yeux de l'international, il faut nous suspendre par des vauriens, des gens qui ne respectent pas les droits, des gens qui ne respectent pas ça décrit, et qui aiment les populations, nos misères, nos souffrances, kidnapping, assassinat, décapitalisation des familles, pays à crasé, disparaître, les gens qui ont fait, tout va disparaître, mais il faut nous faire un genre, finalement, nous montrer une caméra tête ensemble. Voilà ce que la presse doit signaler aujourd'hui. Mon tête ensemble qui commençait, et c'est un processus. Et aujourd'hui, la présentation du fonds se fait.
nous avons dit, nous sommes unis et nous avons dit justement, nous maintenons ouvertes les portes de négociation et nous nous attendons à avoir d'autres secteurs, d'autres acteurs qui sont conscients que ça doit finir. Le ministre n'a pas qu'à aider les pays à arriver à ça, donc c'est un processus qui ouvrait aujourd'hui à la continuer. Suivez-nous pour voir quelles sont les actions politiques. Point 2. La question a été bien répondue, et c'est peut-être ça nous va le document. Mener des actions politiques pour combler la vacance consécutive. C'est clair. Maintenant, vous voulez connaître qui action? Mais nous allons livrer stratégie, nous allons le ministre là, comme ça. Sauf que nous allons criminel, nous allons l'assassiner, le président. Nous allons pas assassiner le ministre Lacaille. Nous allons pas rentrer aucun côté pour nous craser briser, M. Leblanc avait dit. Passivement, la leçon va être donnée justement pour que enfin nous prenions acte à 11h59, il y aura une élection, comme le texte de l'accord le prévoit. Et nous allons prendre acte le 7 février qu'il n'y a pas une nouvelle équipe début. Et le Premier ministre sait déjà ce qu'il doit faire. Et s'il ne le fait pas avec son équipe, vous allez savoir, l'opportunité de savoir exactement ce qu'il va être. Pas pressé, suivez-nous.